3. Une et 3. C'est pas juste voir si le son marche. C'est bon. Et c'est bon, tout marche. Bonsoir à tous, salut à tous, et bienvenue sur MadCity. On se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de Resident Evil 7. Ça faisait super méga longtemps qu'on n'avait pas joué à Resident Evil 7. Et en fait, j'ai fini Blair Witch hier, et j'enchaîne, donc j'ai fini Survival Horror, et j'enchaîne sur un autre Survival Horror. C'est juste du magnifique. Je sais plus trop où on s'en est arrêté, pour être honnête. Donc, de mémoire, on contrôle un personnage qui s'appelle Ethan, qui n'avait pas eu des nouvelles de sa Mia, de sa fiancée qui s'appelait Mia, pendant 3 ans. Un bon jour, il reçoit une lettre avec une vidéo qui lui dit de se rendre en Louisiane, à tel endroit. Une fois arrivé sur place, il fait la rencontre de la famille Baker, avec Jack, Evelyn, je crois, et Lucas, si je me rappelle bien des trois. Et chacun a une particularité bien différente. Un était juste un psychopathe qui veut essayer de tuer. La deuxième se transforme en monstre, tout simplement, un monstre hideuse. Et le troisième est juste un fan de la saga des sceaux. Donc, pour un premier temps, on est dans le manoir, ce qu'on appelle, enfin, moi ce que j'appelle le manoir, c'est la maison des Baker. Donc, l'objectif c'est de sortir de la maison des Baker et découvrir ce qui se passe. D'abord, on fait la connaissance d'un flic qui se fait tuer au bout de 30 secondes par Jack. En fait, il se fait découper la tête. Premier combat contre notre ami Jack qui se finit empalé et brûlé carrément. On peut vous dire. Ensuite, on enchaîne sur les sous-sols de cette bâtisse et on découvre en fait des zombies un peu bizarres, un peu particuliers, un petit peu même un peu space, parce que c'est pas des zombies comme on a connu dans les anciens Resident Evil, mais plutôt une nouvelle façon des nouveaux zombies, tout simplement. Voilà. On sait pas ni où ni comment ils sont arrivés là, mais c'est des nouveaux zombies. Et on comprend qu'au fur et à mesure, quand on avance, que la famille Baker a été infectée par ces zombies-là. Mais par qui, comment, on ne sait pas. Il y a un quatrième personnage qui s'est pas cité, c'est la grand-mère. Mais la grand-mère est un peu particulière et on ne sait même pas encore qui elle est à ce moment-là. Au moment où je suis en train de parler, en fait, je suis en train de faire la vidéo, on ne sait pas encore qui elle est, puisque c'est un personnage mystère, la grand-mère. Plus on avance dans le jeu, plus on va être encore de plus en plus confronté à Jack. Jack est l'un des plus grands ennemis de ce jeu. On sera confronté encore une deuxième fois contre Jack, où on doit éviter qu'il nous coupe à la tronçonneuse. Ensuite, une fois qu'on a fini avec le sous-sol pour découvrir qu'en fait Mia n'est plus là, on ne sait pas du tout où elle est passée. Mais en même temps, on est aidé par une jeune femme qui s'appelle Evelyn, je crois. Je me rappelle plus du nom, je suis désolé, comme la mère de Baker, je me rappelle plus. Qui nous dit, voilà, pour sauver Mia et sauver en même temps, on doit créer un remède. Pour créer ce remède, il faut trouver deux éléments très importants. Le premier, on le trouve dans la maison de la voiture de Lucas. Si je me trompe pas, attention, je me rappelle très bien, je me rappelle que ça fait très très longtemps que je peux jouer. Et tandis qu'au deuxième, il faut aller dans la ferme botanique, on va dire ça, une ferme reculée, pour essayer de trouver, et c'est là où on va combattre, pour essayer d'avoir cet ingrédient-là, on va combattre, bien sûr, la famille Baker, qui se transforme au fur et à mesure du combat en un insecte totalement immonde et hideux. On découvre qu'en même temps, ils avaient adopté une petite fille, que je ne me rappelle plus son prénom d'ailleurs, je suis désolé. Mais le mystère règne entièrement sur cette petite fille, et en fait on découvre que c'est depuis qu'ils ont adopté cette petite fille, qui est arrivée chez eux comme ça, que tout a commencé à dégénérer, tout simplement. Voilà.
Ils ont été contaminés par une spore, par un champignon, et que du coup, de fil en aiguille, c'est devenu la famille de l'horreur. Une fois qu'on a combattu la mère et qu'on a réussi à trouver les ingrédients, la sœur qui nous aide, donc la femme qui nous aide, s'est fait kidnapper par son frère. Et en même temps, il a bien sûr kidnappé aussi Mia. Donc, pour pouvoir les libérer, il faut jouer à son jeu. Et c'est là qu'on attaque dans une troisième zone du jeu. C'est l'entrepôt, d'ailleurs, où, comme j'ai fait dans une vidéo un peu spéciale, c'est l'antre de Saw, parce que ça ressemble vraiment à un truc qui aurait pu se passer dans la saga des Saw. Donc on doit résoudre une sorte d'énigme, une pièce puzzle, où pour arriver du point A au point B, il faut résoudre plusieurs énigmes. Et pour ça, bien sûr, on est aidé par des cassettes à la base. Des cassettes, des trucs que j'ai oublié de préciser, c'est que dans la plupart des énigmes, pour qu'elles soient bien résolues, au bon moment, enfin pendant, il y a des cassettes qui nous aident. Par exemple, au tout début du jeu, pour ouvrir une porte secrète dans la maison, avant de découvrir Mia une première fois, parce que j'ai oublié de préciser, mais oui, pour trouver la cassette, en fait, il fallait regarder une vidéo donc d'un présentateur qui a été déchu de son statut de star, qui, pour essayer de retrouver la gloire, fait des vidéos sur le paranormal. Voilà, tout simplement. Fait des vidéos sur le paranormal, sur le thème du paranormal, donc il visite cette maison. Et pour trouver la trappe, en fait, il fallait, si je me rappelle bien, passer un fusible et ouvrir quelque chose dans, je crois, dans sous la cheminée, enfin bref. Et pour trouver ça, il fallait bien sûr regarder la vidéo. Alors, après, on aurait pu trouver au fur et à mesure, mais voilà. Donc, dans chaque énigme, il y avait des vidéos à regarder. Ça, c'est la première fois. Et ensuite, on a enchaîné sur la première apparition de Mia, qui nous explique qu'en fait, elle n'avait pas envoyé de vidéo. C'était pas elle. C'était un piège qu'on lui a tendu en étant pour Et en fait, de fil en aiguille, on comprend que Mia est possédée, puisqu'il y a un petit combat. Et je vous jure, elle sent pas plein d'entre eux. Je me demande encore comment elle est vivante, la fille, parce que celui qui est vitamine, c'est un peu d'entre eux. C'est le premier combat de boss qu'on voit. En fait, on n'enchaîne pas. Dans ce jeu, il n'y a pas vraiment de combat contre les ennemis, c'est surtout les combats de boss qu'il y a. Il y a beaucoup de combats de boss. Donc, c'est le premier boss qu'on a officiellement à Mia, et voilà, c'est parti du tuto du jeu. Bref, je reviens dans l'histoire. Donc, une fois après avoir passé les épreuves de Lucas, on retrouve donc, je pense, cette fameuse Evelyn, parce que je me rappelle plus son prénom, je suis vraiment désolé, et Mia, et on doit choisir. À la base, on a deux sérums pour les deux femmes. Mais malheureusement, on est dans un Resident Evil, bien sûr, tout se passe pas comme prévu et Jack est de retour. Et cette fois-ci, on le combat pour une troisième et dernière fois. Mais pour pouvoir l'éliminer totalement, on a dû utiliser un sérum. Voilà. Et ensuite, on a fait un choix entre Mia et la personne qui nous a aidés, à savoir laquelle des deux on allait sauver. Alors, bien sûr, moi, dans l'histoire, j'ai décidé de sauver Mia. Donc, du coup, je ne sais pas ce qui se passe avec l'autre personne, malheureusement. Alors, peut-être qu'un jour, si j'ai le temps, je reprendrai l'ancienne sauvegarde pour voir comment ça se passe avec cette autre personne, pour voir comment ça se situe dans l'histoire, si ça continue ou si le jeu s'arrête là, ou si tout simplement, ben, il y a une baston, enfin, je sais pas, j'extrapole, je n'en sais rien. Et du coup, on enchaîne avec Mia, et c'est là qu'on va se retrouver directement pour la vidéo. C'est qu'on enchaîne directement sur l'eau, du coup, et on trouve un bateau. Un bateau qui a été complètement dévasté, échoué même. Je ne sais pas pourquoi. Et on se fait attaquer par des monstres. On pensait que tout était terminé, en fait, tout n'est pas fini encore. Et on va découvrir qu'en fait, dans le passé de Mia, Mia travaillait pour Umbrella. Alors je suppose que c'est Umbrella. Je mets des hypothèses, parce que je ne me rappelle plus. Umbrella Corporation, qui avait pour objectif de transporter une personne qui était atteinte de nouveaux virus. Donc c'était une cobaye. Un cobaye. Et elle avait une acolyte. Et ça, c'était 3 ans avant les événements de ce jeu. 3 ans avant. Et je pense que c'est quelque temps après les événements du Resident Evil 6, donc du virus C, si je ne me trompe pas. C'était en fait, ils avaient fait, je crois, alors si je me rappelle bien, je suis désolé encore, les fans de Resident Evil, des fans de Resident Evil, ne me jetez pas la pierre, ça fait 3 mois que j'ai pas joué à Resident Evil 7, je ne me rappelle plus du tout de certains trucs. Donc je pense qu'ils avaient fait une mutation entre le virus, entre l'Uroboros, donc le virus du Resident Evil 5, et le virus C, donc le virus de Resident Evil 6, pour créer un nouveau
virus, si je ne me trompe pas, qui a contaminé une petite fille. Mais malheureusement, la petite fille, en fait, elle s'est un peu laissée emporter par ses émotions. Parce que elle, son but, c'était de trouver une famille. Elle pensait que Mia, et donc du coup le collègue qui servait de compagnon, son partenaire, était son père et sa mère. Et en fait, non, quand elle découvre ça, elle rentre dans une fureur folle. Elle décide de tout saccager. Et c'est là qu'à la fin, elle trouve le Baker. Mais on va s'arrêter là, puisque je ne sais pas du tout ce qui se passe dans la suite. Et du coup, on va cliquer sur continuer. Changer la dernière sauvegarde. Je pense qu'on va galérer un petit peu au tout début parce que ça fait, comme je l'ai dit, ça fait 3 mois que je n'ai pas fini le jeu. Je sais pas le jeu. Donc l'épave Mia marche au milieu des débris et trouve Ethan Johnson. Celui-ci est aussitôt emporté par une gigantesque substance noire. Mia décide de le pénétrer dans l'épave rouillée du pétrolier pour tenter de sauver Ethan. Du coup, on va se mettre dans l'ambiance comme on avait fait pour Blair Witch. Cette fois-ci, on ne va pas rallumer la lumière parce que je pense qu'on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup moins peur que dans Blair Witch. Allez, je vais laisser pas éteindre la lumière. Voilà, je suis dans l'ambiance. Je me rappelle pas qu'Ethan Johnson est aussi long en fait. Donc je suis dans l'ambiance. Je pense que je vais flipper, mais je pense aussi qu'on est plus très très loin de la fin du jeu. Donc ça tombe bien parce que Resident Evil 3 Remake sort dans quelques temps et j'espérais vraiment pouvoir finir ce Resident Evil 7 avant la sortie de Resident Evil 3 Remake. Et vu dans les circonstances où on est actuellement en France, je pense que le jeu sera fini. Je pense que j'aurai fini bien avant. Alors par contre, du coup, je ne me rappelle plus. Alors attends, ça c'est pourquoi ça? C'est pour attaquer, ok. C'est pour se défendre, ok. Je me suis soigné, j'ai fait le con, ça y est. Ça y est, je commence. Non, mais je cherche le. D'accord. J'ai fait le con, je me suis soigné. Je me rappelle plus. Je sais plus comment on y joue, un peu je me suis soigné. C'est. Voilà. Voilà, parce que j'ai fait n'importe quoi et je me suis soigné et il fallait pas. Donc du coup, je suis désolé. Ça prouve que ça fait super longtemps. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Du coup, voilà. Donc, du coup, je me rappelle plus des tous. C'est magnifique et je me suis soigné comme un abruti. Voilà, c'est fait. Voilà, il fallait que je fasse une erreur hein, sur la... Il fallait que je fasse une gaffe sur le live. C'est fait. Alors du coup, alors, attends. Ouais, c'est vide. La carte. Je sais plus où je dois aller. Je m'en rappelle pas. C'est super. Tout va bien. Alors je dois trouver. D'accord. Donc normalement je peux aller au troisième étage. Et là je suis où? Je suis au second. Mais ça a l'air d'être fermé. Attends. Ouais, la légende elle m'a dit que ça a vraiment quelque chose. Non, parce qu'il y a une porte, elle a l'air d'être fermée. Apparemment, ça s'est retrouvé le fusil. Il est où l'ascenseur? Il est où? Oui, un portail pour relief. Trouver la clé de l'armoire à fusil du capitaine. Ouais, je me rappelle plus. Là, il y a un truc. En haut. Ah, attends, on va voir parce que franchement, ça va être showtime. Alors, la sortie. Attends, comment il joue? Ok, d'accord. Attends, il y a un mot là. Division des opérations spéciales. Directeur Alan Droney, responsable Mia Winters. Donc, Mia Winters, c'est le personnage qu'on contrôle pour cette phase-là. D'après nos récents rapports, il y a un risque élevé. Ah, voilà, donc c'est. Bah, ouais, c'est ça. Donc, la petite, c'était bien Evelyn, je suis totalement trompé, hein, bien sûr. C'est-à-dire, reste un simple plan actuel. Vous avez donc pour ordre de transférer vers notre branche centre-américaine afin qu'elle soit passée dans un lieu jusqu'à nouvel ordre. Lors du transfert, assurez-vous de suivre votre mission. Faites-vous passer pour épargner Evelyn, c'est ce que je vous ai dit pour ne pas éveiller les soupçons. Utilisez le codex de son génome pour être qui vous a été fourni pour contrôler ces méthodes divines. Si la mission venez à échouer pour céder immédiatement à l'émission des. Voilà. Donc. C'est bizarre. J'ai moins peur de ce jeu que de l'autre. Hein. Par contre, ça fait moins peur. Je sais plus comment on y joue. C'est un truc de fou.
Alors les dortoirs, je ne suis pas allé, donc on va aller voir les dortoirs. Je peux courir? Ouais. Donc ça, c'est, je suppose que c'est l'ascenseur. Attends, bon, on va aller voir d'abord les dortoirs. J'en ai vu, super. Mais je voulais voir les dortoirs. Ah, quelle armoirie du capitaine. Ok, c'est ce qu'il fallait de toute façon. Là, il n'y a rien. Ok. Et du coup, comment on fait pour faire du corrosif déjà? Attends. En fait, je peux rien faire. Ok. Je me rappelle plus, hein. Mais ça fait tellement longtemps. Bon, j'ai trouvé la clé. Waouh! Je suis plus fort. Je crois qu'en plus, comme je suis prêt, mais j'ai mis un mode facile, je pense. J'ai pas eu peur. C'est bizarre. C'est ça, après le cauchemar de Raccoon City, les survivants souffrent encore. D'accord, on sait que ça se passe 16 ans après. Donc après Raccoon City, c'était en 98. Pour un canon, ok. Donc j'ai trouvé des munitions, super. Là c'est vide. Y'a rien là, y'a rien d'autre. Ok. Du coup, il faut que je sois sûr. Attends, mais j'essaie de me rappeler comment on y joue. Bon, ça, c'est les bombes, ok. Bon, on va garder le couteau pour l'instant, ça va être une bonne arme. Du coup, attends, et la réfectoire, je suis pas allé encore. Attends. Je veux pas aller là-dedans, moi. Ok, donc ça me permettra de monter. Attends, je vais d'abord faire. Je vais d'abord tout voir parce que on ne sait jamais. Parce que je sais qu'on avait fait dans un sens, d'abord le. Dans les souvenirs, voilà. Et... Ouais, j'ai mis en mode facile le jeu. Ok. Ah oui, donc elle a pas de. Mission mitraillette, putain, super, ça va chier un peu longtemps. Parce que j'avais une mitraillette aussi en plus. Dans le souvenir de Mia, j'avais une mitraillette. Là, il y a un coffre. Là, il y a une herbe déjà. Hop. Qu'est-ce que j'ai comme place? Ok. Tac, tac, tac. Ah, mais j'ai plus de. Ah, j'ai plus rien pour faire la. Pour faire les soins. Ça ne s'ouvre pas. Ok. Donc là, peut-être qu'il faut un truc pour ouvrir. Super. Énigme. Attends. Ah mais c'est une énigme. Oh punaise, je me rappelle. Ah. Ah, ok. Il faut les replacer au même endroit. Donc du coup, celui-là je l'ai bien placé parce que j'ai trouvé ça bizarre. Lui là, en bas. Tac. Et du coup, lui, il est côté gauche.
ça envoie quoi? Ah, ça. Ah! Du corrosif. Cool. C'est ce qu'il me fallait. Ok, donc du coup j'ai 3 corrosifs. Ça c'est cool. On va aller en face pour voir. C'est verrouillé. Et si je me sers du corrosif. Bon, là je peux pas aller. Bon, ok. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en face. On va aller là et on va grimper. D'accord. C'est une balle. Bon, maintenant faut que je prenne l'ascenseur. J'aime pas cette ambiance. Mais ça fait moins peur que l'autre. Ça fait un peu plus calme. Un peu plus posé. J'ai envie d'appeler le chien. Il y a le chien. Et... Non, c'est la touche, merci. Ok. Ah, point de sauvegarde. Ah, mais je n'ai rien encore. Ça, il manque un fusible. Ouais. Donc, ce qui me manque, c'est le fusible. Alors, attends, juste. Ah, c'est là. Oui, parce qu'il manque encore... Ouais, il manque plein de choses encore, donc... De ce côté-là... Ouh, il y a quoi, là? Quelqu'un a pris son contenu. Détruire... Les sujets, c'est sur le mode... L'attaque biologique de... Ok. Et je m'en doutais, j'entendais. Il attaque, il attaque. Ah, punaise. T'étais pas toi. Il a l'air cassé. Attends. Il y a un truc là. Là, voilà. J'ai une clé. D'accord. Mais alors, elle est où là? Truc du capitaine. Ah, c'est la cabine du capitaine que j'ai là. Attends, j'ai la clé de la cabine du capitaine? Bah attends, il faut que je retourne dans la cabine de la capitaine alors. Je suis bête, je pensais que c'était là. Il est... Je suis pas au bon étage. Ouais, j'ai trouvé la clé de l'armoirie de la cabine du capitaine, donc autant que je m'en serve. Normalement j'arrive vers le pont. On fait pour... Ah d'accord. Wouah la 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 la. Je l'ai pas vu arriver.
Même tous les jeux d'horreur ont décidé de me foutre la trouille en ce moment. Vivement qu'on passe à un jeu plus cool, je vous le dis. Ah ouais, vivement qu'on enchaîne sur un jeu un peu plus léger, on va dire. Allez. Ouais, je vais au couteau. Ah, si je peux garder des munitions, moi je vais au couteau. Par contre, oh la vache, ça va être compliqué. Ça va être, c'est quoi ça? Chien, chien, tu suis devine. D'accord, ça je peux rien faire. Bon, là, c'est fait. Il faut redescendre. Faut pas sauter, hein. Et je passe par où pour me barrer? Voilà, l'ascenseur. Du coup, c'est par là qu'il faut aller. Ah, pièce antique, ok. Je sais pas à quoi ça me sert, mais c'est pas grave. C'est marqué. Allez. Voilà, c'est fermé. Super, on est dans le noir. Il y a une main ce bateau. À mon avis, c'était pour mettre l'alarme, ça pas servir à grand chose. Essayer des trucs à prendre. Oh putain, il y a Big Mama qui est arrivé. J'aurais pas dû prendre ça. Ah, j'en ai déjà un. Avec quoi je peux combiner? Ça me fait quoi? Ah, bah cool. Pour un canon, je sais pas si ça va servir à grand chose, mais cool. Allez, quand même. Cool. Pourquoi je fais ça?
Ouais, je récupère le câble. Par contre, après, c'est un peu plus compliqué. Alors, attends, on va utiliser ça déjà. Pour récupérer les fusibles. Le corrosif, c'est bon. Ah ben oui, je suis entré par la douche. Ça, c'est la douche, là. Ouais, c'est essentiel, la douche. Ouais, ça, c'est les douches. Ok, bon par contre ça va poser un petit problème. Parce que j'ai tout fait. À part la salle de jeu. Bon, déjà, on va mettre les câbles. Voilà, j'ai tout fait. Ah non, j'ai peut-être pas tout fait. J'ai peut-être pas tout fait, on va voir. On va voir ça, on va passer par la salle de sauvegarde en même temps. Alors, tac, 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 c'est là. Juste un peu. Voilà, désolé, j'avais l'oreille qui me grattait. Donc ça me dérangeait un petit peu. Il y avait un objet sous un canon. Ah, mais j'ai fait des balles, c'est bon. Ah, attends, non. Avant de faire ça, on va aller. Là, déjà, on peut être son garde. Ah, ça aurait été cool, ça avait un coffre, mais bon. Donc, sauvegarde. Pour attendre 30 secondes pour sauvegarder. C'est sûr. Et depuis le 13-01, j'ai pas joué. T'imagines, depuis le temps que j'ai pas joué, mais ça fait 3 mois. 2 mois. 2 mois que j'ai pas touché. C'est un truc de fou. J'ai pas touché depuis le 13 janvier. Il était dingue, c'est rouge, vous. Allez, du coup, on est reparti. Là, c'est bon, on va passer par là. En haut, je confirme que je peux pas passer. Voilà, c'est fermé. Donc, on va descendre en bas. On va descendre en bas, c'est comme monter en haut, c'est la même chose. Maintenant c'est ouvert, ok. Bon, là j'ai tout fait. Là. Ah la vache. Pas résistant quand même. Je voudrais aller dans la réserve. Ça, il me manque à trouver les fusibles.
non. Ok, là, y a rien. Somme de jeu, je peux peut-être trouver quelque chose. Ah. Ah, une salle qui n'était pas ouverte encore. Les armes, je peux pas les mélanger entre elles. J'entends quelque chose. Ok, bon ben là on a tout fait, on va descendre. Je crois que je descends encore. Ah, le bureau je l'ai pas ouvert. Peut-être qu'à ce moment-là je peux pas l'ouvrir encore. Super, ça a cassé. Bon, c'est pas par là. Allez, je fais comment pour prendre le fusible? Ah, il y a une salle de sauvegarde. Ouais, j'ai tout fait donc. Punaise, lui m'a saoulé, lui. Donc c'est ça, en fait il faut que j'arrive d'accord peut-être par l'autre côté pour ouvrir la porte et prendre le fusible. Mais je sais comment pour arriver au bureau. C'est ça la question, c'est je fais comment pour y arriver? Ah mais il y a un truc là-bas, je sais pas regarder, attends. Je viens de le voir maintenant sur la carte. Je suis à l'ascenseur, ok. Bon, en fait, j'ai compris, c'est bon. J'avais pas vu. J'avais pas vu l'ascenseur. Du coup, hop, je prends le fusible. Eh, comme quoi ça sert les trucs noirs, j'avais pas fait attention. D'ailleurs, que je regardais la carte, j'ai pas fait attention. Et on peut monter là. Du coup, je place. Alors là, là c'est le câble.
Ah merde. Le fusible il est là, le câble il est là. Mais ils m'ont tout lu. Mon avis en recharge, mon avis en appareil. Mais attends, il me faisait où? Attends, si je monte en S4, j'ai déjà fait. Donc c'est un S2. Ah, elle... Je l'ai oublié, elle. Je l'avais oublié. Bah, elle me va sans doute encore faire. Mitraillette. On prend là. Mais pourquoi je veux me faire peur comme ça, moi? Merde, j'ai tiré. Je croyais que ça allait donner un coup. Ah, attends, c'est qui? Ah ça c'est pas du mama. C'est bon. Pourquoi je peux pas me protéger? C'est quoi? On va éviter quand même de prendre trop cher parce que la vie c'est pas ce qui va. C'est parce que. Ah mais attends si. Attends, mais je suis bête. Combiner. Voilà. Il n'y en a pas deux. C'est pas grave. Ouais, loupé. C'est un pistolet, cool. Et on voit que ça fait longtemps que j'ai pas tiré. J'ai une pistolet, maintenant j'en ai plein. Tiens, j'en avais pas, maintenant j'en ai trop. Tu sens le combat de boss qui va arriver? C'est là qu'il y a Ethan, si je me trompe pas. Putain, j'ai oublié. Ah, bon,
Vas-y. Personne s'y connaît, ça va. Quoi ça sert ça? Oui, quand même, elle a ses 3 ans en captivité chez les Baker, mais elle retourne vite plus à plus, je veux dire. La petite Mia. Ouais, c'est la petite Emeline, Evelyne. Ethan. Ça va. Ethan. Je sais. Je vais pas te faire de mal. J'aurais jamais fait ça si j'avais pu me contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas un tueur. Ni Marguerite. Marguerite, sa femme. Ni mon fils, Lucas. Zoé non plus, évidemment. Zoé, je vois plus. Cette fille, Evelyne. C'est elle qui a fait ça. Qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle nous a infectés avec son nom. Et c'est comme ça qu'elle l'appelle. Je l'ai trouvée près de l'épave d'un pétrolier dans le bayou. C'est là que tout a changé. Donc elle vous infecte et prend le contrôle? Non. Pas exactement, fiston. Elle s'introduit de force dans ton esprit et ton âme. Impossible de lutter. Tu es complètement lié à elle. Et tu peux pas résister à l'envie. Tu es quelqu'un de différent après ça. Comme Mia. Donc elle m'a envoyé ce message à cause d'Evelyne. Écoute. La petite veut juste avoir une famille à elle. C'est elle la clé. Tu comprends? Alors trouve-la. Et arrête-la. Ethan. Libère ma famille. Je t'en supplie. Le problème, c'est que sa famille est quasiment tous morts. Hein. Entre-temps. Ne t'aime pas. Je peux le pousser à t'aimer. Je lui fais pas de mal. Idiote, je te l'ai dit, je ne lui ferai pas de mal. Arrête ça ou... quoi? Tu n'es pas ma maman. Tu te souviens? On fait pas sortir. Oh l'arnaque. Ok petite conne, où tu te caches? Alors à votre avis, où elle se cache? Moi j'ai...
Moi, j'ai une idée. Tout est ta faute. Super, j'ai l'impression d'être un Blair Witch, tu vois. Vous savez quoi, je crois que même le jeu, on va le finir ce soir. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Parce que là, on est plus très loin de la fin. Hein. Là, pour être honnête, on est à la dernière phase du jeu. Hein. Mais pourquoi j'ai pas d'armes? Mine de sel, si je peux gagner. En 1892, il effondre un la mine Patterson tuant et Beckford. Toi, les Beckford sont morts et Axel ne pourra plus jamais marcher. Le Stan avait raison, le sol est trop instable là-bas. 10 février 1892, la compagnie ne va pas nous envoyer des remplaçants, ils préfèrent nous faire bosser deux fois plus. C'est vraiment un très pays. Est-ce qu'ils nous observent depuis cet hélicoptère? Quelqu'un qu'on connaît. Alors je sais qu'il y a un personnage normalement qui arrive à la fin du jeu, mais je n'ai jamais vu, honnêtement, j'ai jamais vu la fin du jeu. Oh oui! Ah, ça fait du... Oh oui! Oh mec, ça fait du bien! Alors, couteau de survie. Corrosif, remède, herbe. On va prendre mince patate aussi. Puis le fusil. Non mais je vais prendre... Attends. On va prendre le... cartouche de fusil. Ah mais que ça fait du bien. Allez, non mais par contre je lance patate, j'avais pas de... J'ai pas de grenade. Améliorer et du coup on va peut-être avec les bombes là. Ah mais qu'est-ce que ça fait du bien, mais du coup là, ah mais j'ai plein de balles. Ok, écoute, on va s'en garder et on va
Ah non, mais alors là, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir les munitions et tout? Maman! Mais c'est bon, là on est paré. Allez! Ah, oui. Ah oui. Je sais pas où faut aller, mais. Ah, attends. Voilà, c'est ça, pour se protéger. Oh, pétard. J'essaie de pas trop utiliser. Je sais pas trop utiliser trop de munitions. Cartouche de fusil. Même si je suis blindé, hein. De toute façon je reconnais, mais. Si je peux éviter d'utiliser trop de munitions, ce serait idéal. Ah, je suis quand même bien. Je suis quand même bien quand même. J'ai moins peur que dans Blair Witch, hein. Faut pas se le cacher. Hein. Je me suis moins dessus. Dès que j'ai un peu plus l'habitude de ce genre de jeu. Je sais pas ce qu'on va, mais on y va. Une dessin, ok. Attends, est-ce qu'il y a des trucs parce que. Ça avance, mais là, si je regarde pas. Putain, attends. Allez, par contre, il faut l'avoir comme ça. Mais je préfère l'avoir comme ça, au moins, je suis tranquille. Ah, génial. Attends, si je passe dessous, c'est bon. Ouais, ça passe. Wow. Accéder là, à ça. Non, c'est pas grave. Génial. Des cul-de-sac, voilà. Bah il a l'air d'avoir. Il a l'air de ne rien avoir. Ok. Par là.
pas si ça peut pas servir contre peut-être le boss final. Oh pétard. Qu'est-ce qu'on va lui éliminer? Putain. Meurs pas lui ou quoi? Ok, ils sont deux. Deux? Oh putain, je savais que j'allais le prendre. Ah, on pouvait le pousser. De toute façon, il n'y a pas de choix. je peux vraiment rien faire. Non. Voilà, c'est bloqué. Je connaissais pas toute cette phase là. J'avais vu une grosse partie du jeu sur internet, mais je me rappelle pas de cette phase. Bon, de toute façon, j'ai plus de place pour. Ouais, le lance-flamme, je crois que c'était, ouais, c'est le lance-flamme. Mais beaucoup servi durant la phase 2 du jeu. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Ça passe. Ça passait pas. Vendredi 26 janvier 2015 à minuit 42. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits et je suis revenu normal. Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais elle a aussi le QI. Maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle, par contre. Cette obsession pour la famille est un truc que vous avez programmé. C'est un peu à chier. Vous voyez, le 4 novembre 2015, à 2h02. Cette connasse de Mia est encore quelque part entre le monde merveilleux des vies et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente, donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyne se mettrait en run vu que Mia est sa petite favorite. Mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia est sa maman. Je vous l'ai dit, votre âme biologique, elle est sérieusement désirée. Pour le septembre 2016. Alors, l'obsession d'Evelyne pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans les rues pour ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas, mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui dois nettoyer le bordel à chaque fois qu'il y a de nouveaux arrivants. En fait, il y a un problème avec l'apparence d'Evie. Sa peau devient toute ridée et elle commence à avoir des cheveux gris. Est-ce que c'est normal? C'est comme si elle vieillissait à vitesse grand V. Rappelez-vous, au tout début du live, je vous ai parlé d'une personne âgée qui était pour moi un peu space. Ce rapport détaille les symptômes survenant lorsque la bactérie qui se développe à l'intérieur de la série E infecte un être humain. Veuillez lire attentivement ce document afin d'entrer en contact avec les prototypes désignés ci-après comme moisissure. La moisissure se propage en ingénieur des nutriments contenus dans le corps du sujet et prend lentement possession des cellules du corps. Ceci a pour effet secondaire d'attribuer
au sujet affecté des facultés génératrices hors du commun. Lors de nos expériences, nous avons sectionné les bras et les jambes de plusieurs cobayes. Nous avons alors pu constater que les membres amputés repoussaient en quelques minutes. Infection intermédiaire. Lorsqu'un moisisseur atteint le cerveau du sujet, les pensées de celui-ci sont synchronisées avec celles de la série E. Le sujet se met alors à avoir des hallucinations à la fois auditives et visuelles, et tombe sous emprise de la série E. Si cet état perdure, l'hôte perd tout sens de l'ego. Infection totale. Une fois que chaque cellule du corps a été infectée par la moisissure, le sujet commence à perdre forme humaine. Les mutations physiques varient d'un individu à l'autre, mais dans tous les cas, le sujet acquiert une incroyable force physique. Contenir un sujet à ce stade paraît extrêmement difficile. Bon, après, on continue encore un petit peu. Je pense qu'on est, vraiment plus très loin de la fin. Hein. Cinq minutes après l'administration des... L'administration d'un neuro... J'ai pas le temps de neurotoxine E sur un cobaye esprit E. Donc, d'accord. Neurotoxine E détruit les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'arme biologique de la série E. Elle est utilisée uniquement pour détruire les ressources de la série E. La toxine doit être stimulée avant utilisation pour se faire placer un échantillon de cellules de série E dans le contenant de la nécrotoxine. Ça c'est bon. Evin a également la capacité de former des organismes à partir des filaments fongiques appelés mycélium. Le terme organisme est utilisé ici dans son acception étendue. Il s'agit en réalité de super organismes formés par une infinité de mycélium. Ce qui est important en revanche, c'est que ces organismes font preuve d'un instinct de survie très développé et ont tendance à réagir avec férocité à la moindre agression. Alors, la résistance caractéristique du fungus, couplée à une force extraordinaire, leur confère un important potentiel en combat. Les chercheurs ont appelé ces super-organismes mycomorphes, du grec myco, fongique et morpho, forme. Lors de nos recherches pour un traitement contre une infection accidentelle, il a été observé qu'une sur des prélèvements du tissu, Evelyne permet de produire un sérum fongicide unique. L'administration du sérum sur un sujet infecté provoque la calcification des mycélium. Toutefois, dans le cas d'une contamination trop avancée des cellules, le sérum devient fatal. Avec une faible traitement en sérélite, l'usage principal du sérum est donc l'élimination d'un sujet affecté, plutôt que sa guérison. En explorant le potentiel du sérum, nous avons découvert que si on le soumet à des effets découplés et à l'extrême, au point de devenir un mélange qu'on appelle une neurotoxine capable de, et ce même à petite dose. Il est en outre intéressant d'observer l'obsession d'Evelyne pour la famille. Au cours de l'expérience, nous avons constaté à plusieurs reprises que les sujets infectés étaient amenés à se comporter comme les géniteurs d'Evelyne, la traitant comme si elle était vraiment leur fille. La raison pour laquelle elle fait appel au thème de la famille pour exercer son contrôle mental est encore inconnue. Ce n'est qu'une simple spéculation, mais il se pourrait qu'elle comprenne instinctivement qu'en ayant une famille, il lui sera alors plus facile de se fondre dans la société. D'un autre côté, il se peut aussi qu'elle veuille simplement compenser un manque affectif lié à la croissance en captivité, un manque que seuls des parents seraient en mesure de combler. Et oui, donc en fait, on en prend un peu plus sur ce qui s'est passé avec Raymond Baker, mais on ne sait pas. En fait, on ne sait pas vraiment pour qui travaille Mia. Tout simplement. Bon, alors, on va s'arrêter là, puisque ça fait quand même bien une heure, et je pense qu'on va être vraiment à la fin du jeu. Hein, on y est. Le problème, c'est que j'ai pas de...
J'ai qu'une cassette. Excusez-moi, j'ai un peu de... Ouais, bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a là? Grenade incendiaire, grenade incendiaire. Et ouais, donc du coup, je peux mettre le... Attends. Qu'est-ce que je peux virer? Parce que j'ai bien envie d'avoir les grenades incendiaires. Mais le problème, c'est que j'ai pas de place. Ça, je peux pas le virer. Je pourrais virer. Ah, attends, déjà. Donc, déjà, ça, je peux le virer. Corrosif, je pense que je peux le virer. Et ça, on va le garder. Voilà, on va garder. Non mais je voudrais me décaler, à déplacer, ok. Je sais toujours pas jouer. Voilà, comme ça. Je prépare tout. Ah ouais, donc c'est au compte de goutte. Ok. Ça. Là on est bon, là on est bon, là on est bon. Bon, on va sauvegarder. Puis on va faire une petite coupure et on va reprendre, ben, tout de suite après. Allez.